critiquer seulement. Mettez à vous lancer des attaques. Je m'appelle Sarah, et toi? Gaucher! Pour des raisons évidentes! T'es très doué! N'est-ce pas? Je peux jongler avec n'importe quoi! Vraiment? Oui, mais ça commence à m'ennuyer! Il n'y a plus personne pour me stimuler! T'as de beaux muscles, tu sais. J'en avais bien plus, mais je me suis laissé aller depuis l'inondation. Je sais que tu écris des lettres d'amour à une fermeuse. Pourquoi tu lui parles pas? Si tu l'aimes, tu devrais lui dire. Quoi? Oh merde! Et comment t'as su? Je veux dire, j'ai peur de lui dire. Peur? Un grand gars comme toi? Oh oui! Je peux plier une barre d'acier autour de mon cou, mais j'ai peur de lui dire ce que j'éprouve. Mais pourquoi? Elle me croira pas. Elle pense que je suis un gros bêta. Je sais pas comment lui prouver mon amour. Et si tu tatouais son nom sur ton bras? C'est pas une mauvaise idée. Si ça lui prouve pas que je suis sérieux, alors moi je sais pas quoi faire. Tu te plais bien ici? Non, ma sœur me tape sur le système. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle a toujours été méchante, mais depuis que son chien est mort purée, elle a pété les plombs. Elle en avait rien à foutre quand elle cognait les gens avec ses tartes, même s'ils avaient mal. Mais je suis sûr que Monsieur Baldini l'aurait jeté dehors avant la ville suivante, mais avec l'inondation, on saura jamais. Je m'appelle Sarah, et toi? Qu'est-ce que t'as, petite morveuse? T'as pas besoin d'être si méchante, je posais juste une question. Je peux lui jeter une question? Je m'appelle Trixie, et c'est un souvenir. Tu te plais bien ici? T'es sérieuse? Ça craint! La seule chose marrante en ce moment, c'est de foutre une branlée à mon idiot de frère. C'est pas très gentil. Tais-toi! J'ai pas demandé ce que t'en penses, crevette. Dis donc, t'es pas amical pour un clown. Je croyais que les clowns étaient heureux et gentils. Ah oui? Mais la plupart des clowns ne sont pas coincés dans un cirque en faillite, sur une île, à attendre de se faire bouffer par un monstre. Qu'est-ce que tu veux dire par se faire bouffer? Quel monstre? Cette espèce de calamar. Je savais que c'était mauvais signe le jour où Antonio l'a acheté. Il a bouffé mon chien dès le premier jour. Oh, monsieur Crevé. Je suis désolée. Désolée? C'est bien pute. Et ça ramènera pas mon chien. Maintenant, tire-toi avant que je t'achève avec une tarte. Ah,
Tu te plais ici? Oh oui, c'est mon rêve. Tout ce que j'ai comme accessoire, c'est ce fichu poisson. Pourquoi tu n'utilises pas autre chose? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avant, la foule m'envoyait des choses. Maintenant, fini, la foule, elle est plus là. Le cycle est péri. Jennifer, veux-tu prendre Max ici présent pour époux fidèle? Oui. J'avale vraiment du feu. Comment tu t'appelles, jeune fille? Sarah. Et toi? Ben, mon vrai nom, c'est Jennifer Lang. Mais tu peux m'appeler par mon nom de scène. Inferno. T'as un joli costume. Merci. T'es la plus mignonne des petites filles. T'es comme la fille que j'ai toujours souhaité. Et pourquoi t'en as pas? Mon mari et moi n'avons pas eu cette chance. Pourquoi? Lui et d'autres artistes essayaient d'atteindre l'autre île lorsqu'ils se sont fait attaquer par ce monstrueux calmar. J'ai pas été parce que j'ai le mal de mer. Il a dit qu'il allait jeter un œil et si l'endroit était sûr, il reviendrait me chercher. Il est jamais revenu. Désolée. C'est rien, chérie. Tu savais pas. J'aurais seulement aimé avoir quelqu'un à qui transmettre mes secrets professionnels. Oh, apprends-moi. Je sais pas. T'es terriblement jeune. Oh, je t'en prie. Non, d'accord. Mais avant de commencer, t'as besoin d'essence. J'en ai plus assez pour moi. Je sais qu'il t'envoie des poèmes d'amour. Quoi? Comment tu sais que j'en reçois? Je l'ai dit à personne. Je peux pas te dire comment, mais je sais que j'ai nommé Hercule les bons moins. Oh non! C'est butor! Et s'il se fait tatouer ton nom sur son bras, c'est sérieux, non? Oh, je sais pas. S'il a voulu le faire, c'est peut-être un début. Entre nous, je suis tellement seule depuis que mon mari est parti. J'espère que ça va attirer son attention. Waouh! Tu dois vraiment l'aimer! Oh oui, je l'aime. Elle a toujours été trop bonne avec ce proluquet d'avaleur de sabre. Et elle a besoin de quelqu'un qui la protège, Diggy. Me protéger? Pourquoi? Il irait dans l'eau, non? Ben, je prendrai pas de risque. Grandis rapidement là-bas. C'est juste une question de temps.
sang du couinarde. Tu peux avoir une bouteille d'alcool? Une fermée va m'apprendre à cracher du feu. Ah oui, vraiment? T'es pas un peu petite pour ça? Non, j'ai presque 8 ans et demi. Ah, et pourquoi pas? Après tout, j'en ai pas besoin et j'ai beaucoup de ces trucs-là qui vont être gâchés. Bah allez, casse-toi, petite. Montez et testez votre adresse.
plaît? Oui. Si tu as trois tickets. J'ai un ticket pour Calmon Calmar que M. Baldini m'a donné. Alors ça y va. Vas-y. Oui! Qui voudrait nous descendre toutes les quilles? Tu peux jouer, s'il te plaît? Oui. Si tu as trois tickets. J'ai assez de tickets. C'est bon. Vas-y. Montrez vos muscles. Impressionnez vos amis. Pouvez-vous descendre toutes les quilles? Regarde. J'ai des tickets de jeu. Chapitre 16. J'ai testé par le lieutenant ce message. Je les aurai toutes. Un ticket par lancé. J'ai assez de tickets. Faites tant mieux, petite. Essaye de pas te faire mal. Chapitre 16. J'ai particulièrement ce message. Oui! Chérie, quel rapidement ça descendait toute l'équipe. Pendant l'inondation et qu'ils mangent tous ceux qui vont dans l'eau. N'est-ce pas, or ceux de la nature ne sont pas de me faire, petit. Pendant la grande calamité, Iggy a trouvé le moyen d'échapper au fer de l'homme et de retourner dans son domaine marin. Qui suis-je pour juger cette créature incomprise? Combien de tickets pour entrer? Rien que 5 tickets. Moitié des 10, moins qu'une demi-douzaine. Un petit prix pour voir ce que peu de gens verront dans l'espace d'une vie entière. Regarde! Oh, merci! Entre vite, petite fille, la galerie du grotesque t'attend. Confortable.
si c'est un homme ou un gros chien. Je m'appelle Sarah. Et toi? Timmer. Va-t'en. Va-t'en, petite. Avant que je te dévore. C'est horrible ce que tu dis. J'essayais d'être agréable, moi. Si tu veux être agréable, rouvre. Rouvre cette foutue cage. Si je te laisse sortir, tu me mangeras, tu viens de le dire. Je promets. Je promets de pas. Si tu me fais sortir. Pourquoi je te ferai confiance? T'as l'air de vouloir manger le premier truc qui te tombe entre les pattes. Ah non, pas toi. On vient une odeur d'os. Tous odeur de moelle. Oh, ça m'en fout. Oh, j'ai faim. Je veux sortir. Je conduirai aux os. Tu sens les os? Où est-ce qu'ils sont? Je n'en ai vu aucun sur toute l'île. Enterré, profond, sous terre. Mais je peux les sentir. Je peux. Je les déterrerai. Ben, je sais pas. Oh, s'il te plaît, petite, je meurs dans cette misérable cage. Je vais sortir. Pourquoi est-ce que tu as remis dans ta cage? Il n'a pas la clé? Perdu. Cette année-ci-là, tu l'as perdu. Mais loin de le voyant maintenant. Combien de tickets pour entrer? Rien que 5 tickets. Moitié des 10. Moins qu'une demi-douzaine. Un petit prix pour voir ce que peu de gens verront dans l'espace d'une vie entière. Je peux y aller.
Mesdames et messieurs. Combien de tickets pour entrer? Ça n'est pas fait pour toi, avorton. Le bras de fesseux était bien au-dessus de ta tête. Alors dégage. Reviens dans 3 ans. Montez et testez votre adresse. Un ticket seulement.
Maîtriserez-vous le lancer des anneaux? Appel à tous les bons tireurs, prouvez votre habileté. Un ticket vous offre une chance au tir au cochon. J'aime particulièrement ce passage du livre. Chapitre 16. Montez et testez votre adresse. Un ticket seulement. Maîtriserez-vous le lancer des anneaux? J'ai des tickets. Chapitre 16. Tu peux jouer, s'il te plaît? Oui, si tu as 3 tickets. J'ai assez de tickets. C'est bon, vas-y. Montez et testez votre adresse. Un ticket seulement. Oui! Chapitre 16. J'aime particulièrement ce passage. Regarde, j'ai des tickets de jeu. Chapitre 16. J'aime particulièrement ce passage du livre. Vodka. Chance au tir au cochon.
Mesdames et messieurs, enfants de tout âge, la trouille. Venez tous, posez-vous entrer dans la bête et testez votre adresse, un ticket seulement. Ça va. Allez, dégage. Merci. Mesdames et messieurs, enfants de tous âges, venez, venez tous. Oserez-vous entrer dans la maison de l'horreur? Reculez de terreur devant le spectacle effrayant qui vous attend. Allez,